Salut tout le monde, c'est Monster et on se retrouve pour un épisode de Resident Evil 4. Alors, on va parler d'une petite chose au début. On a fait pas mal de remarques vis-à-vis des choses que j'ai oubliées et ce que j'aurais pu faire. Déjà, je m'excuse par avance de l'épisode précédent qui a été un peu moisi. Je vous l'accorde, il était moisi. Aujourd'hui, on va essayer de faire les choses un peu mieux que ça. Et donc je disais, ouais, j'oublie des choses... Ça, c'est indéniable, mais le truc, c'est que je prépare pas le jeu comme ML2G prépare ses vidéos. Moi, je le fais seulement par souvenir, et puis c'est tout. Bon, déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller jouer un jeu. Welcome. Oui. Tir rapide. Toujours pratique, ça. Voilà. Et on va... Ouh, joli. Et on prend de la mission C. Alors... Est-ce qu'on va y arriver? Tac, tac. Oh, ouais, déjà, une balle de perdu, deux balles de perdu, c'est pas grave. Tac. Allez, voilà. Oh. Voilà, toi tu meurs. Reviens là, toi. Il est où? Ah, il est là. Ashley, tu es trop près. Voilà. Voilà. Il y en a un autre derrière, ouais. Non! Il va falloir que je revise ça, hein. Ça va pas, ça. Oh, j'entends ça là-bas. Meurs. 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 Et toi là-bas aussi. Tiens, voilà, un petit point bonus. Meurs. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Donc j'ai eu deux prix. On va aller les récupérer, mais clairement, c'est pas... l'une des meilleures prestations que j'ai pu faire, parce que j'ai loupé une cible déjà. Donc arrêtez, vous avez gagné deux bouchons, on va les regarder. Tac. Donc normalement on est sur la troisième étagère maintenant, examiner. C'est ça. Donc là on commence à récupérer des mecs un petit peu starbés là. Ceux-là. Ah c'est Yermatar. Je sais pas si s'il dit ça, mais c'est cloque. Alors tir rapide encore, on va reprendre ça. Merci l'ami. Et là, on va essayer de faire un bon jeu, là. Là, on va essayer. Type C, on va se mettre là. Donc, tac. Oh, déjà, je perds des balles, c'est con, ça. Allez. Je vais aller trop vite. Du coup, je perds des balles. Allez. Oh, mais c'est pas possible, je tire comme un cul. Voilà. Bon, moi, je les ai tous tués. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Ok, regarde. Non. Putain. Voilà. Je devrais viser la tête. Ils sont mobiles maintenant les gogoles là. Voilà. La tête. La tête. Oh, j'en ai loupé un. Tu rigoles. Bon, bah ça va pas être terrible. Ah, j'ai eu deux nouveaux prix. Donc on va aller récupérer. Je sais plus du tout si on a la possibilité de continuer et récupérer d'autres prix. Personnellement, je préfère arrêter. Vous avez gagné deux bouchons de bouteille. On va regarder ça vite fait. Et puis les récupérer... Enfin, rejouer pour pouvoir récupérer les derniers. Ok. Allez, il nous en reste plus que deux bouchons de bouteille à avoir. Et c'est bon. Donc tir rapide. Est-ce que ça va être la bonne cette fois? Est-ce qu'on va jouer correctement cette fois? Je vous le demande. Ça commence, donc déjà, c'est pas le même terrain, hein. Ils sont un petit peu plus loin maintenant. Voilà, oh. Ah. Ah. Oh, il y a Ashley. Voilà. Voilà, oh. Oh, il y a deux Ashley. Ok, temps de recharge. C'est pas le même terrain que tout à l'heure, parce que là, il y a un fond. Hein. Mais, tu vas mourir, oui. Rapide, tant pis si je perds des balles, histoire d'aller plus vite. Ce serait bien qu'on fasse du gros score quand même. Allez, tu vas mourir toi. Oh non, 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 vas-y, vite, 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 vite. Ah bon, tant pis. Au moins, je. Non, mais je voulais pas faire là. Ah, dégage. Ah, bon, on refait la C. Voilà. On se concentre. J'ai un prix pour l'instant.
bien d'en avoir deux. Ashley, je vais pas te tuer quand même. Écoutez. Ouais, y'en a deux autres, Ashley. Oh, vas-y, dégage-toi. Ashley, tu me déranges. Non, mais Ashley, t'es qu'une salope. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que tu veux faire du score si elle se fout devant? Toujours casse-couille, hein. Toujours là où il faut pas. Bon, on tire la dynamite, là. Dès qu'elle arrive, on tire sur la dynamite, hein. Voilà! Voilà! Ça, c'est du score! Cool! Les deux derniers prix! Eh ben, très bien! On va les récupérer. Alors, arrêtez. Vous avez gagné des bouchons de bouteille. Et la troisième rangée est terminée. J'ai gagné 35 000! Waouh! It's amazing! 35 000, c'est beaucoup! Ok, donc du coup, on va pouvoir aller parler un petit peu aux marchands. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait comme conneries. Notamment vis-à-vis de ce que j'ai pu récupérer à l'épisode précédent, donc le joyau de la couronne que j'aurais pu compléter avec la couronne. Donc tant pis, j'ai pas eu la couronne. Enfin la couronne, je l'ai revendue comme un con, voilà, c'est ça le truc. Mais c'est pas grave. Ouais, on va le vendre du coup, et puis... Et puis ça, j'ai encore une petite chance peut-être de l'avoir, mais c'est pas sûr. Alors du coup, on va optimiser. On m'a dit que le Striker était plus puissant que le Ryogun. C'est vrai que là, le niveau 1 du Striker est au niveau 6, et que le niveau 5 est au niveau 7. Là. Enfin, un 7 de puissance, au niveau du tir. Mais après, je trouve le Ryogun plus esthétique que le Striker. Donc du coup, je vais garder le Ryogun. Puis c'est moi qui joue, donc je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Donc on va optimiser le Ryogun. Contenance... non, on va peut-être optimiser le TMP. Oh, puissance de feu, ça me paraît pas mal. Ouh, j'ai plus grand-chose, dis donc. Vitesse de recharge. Allez, vas-y. Voilà. Come back anytime. Great. Maintenant, on va passer par ici. Ah, oh, il y a un papier, là. La paperasse. Mémo de Louis. Le premier gouverneur du château a enterré les Plagas dans les profondeurs de la forteresse pour cacher leur existence. Mais quand Salazar a relâché les Plagas, qui aurait cru que qu'il leur redonnerait vie? Quand Salazar les a trouvés, ce n'était que des restes momifiés. Tout le monde savait que les organismes parasites ne pouvaient pas survivre sans un autre. Mais quand Salazar et ses hommes ont déterré les restes, on aurait dit que les Plagas attendaient d'être trouvés pour revenir à la vie. Plusieurs années plus tard, de mystérieuses convulsions ont commencé à affecter les habitants du village ayant participé aux fouilles. Puis, du jour au lendemain, ces habitants se sont transformés en sauvages violents. On a appris plus tard que ces réactions étaient dues aux Plagas. Ils étaient momifiés, mais avaient survécu toutes ces années dans un état latent à un niveau cellulaire sous forme d'entités ressemblant à des spores. Eh ben, lors des fouilles, les villageois ont inhalé les spores qui ont été réactivés dans leur corps. C'est ainsi que les Plagas sont revenus à la vie, pardon. Au moment où j'écris ces lignes, on poursuit les fouilles pour trouver des Plagas. Dieu seul sait combien de bébés Plagas ont été ressuscités. Et ne parlons pas de la quantité incroyable de Ganados qui ont vu le jour. Il faut absolument faire cesser ce désastre. Si personne n'intervient, la secte va faire de nombreuses victimes dans le monde entier. Il y a des chances, mon pote, il y a des chances. Ok, donc les mémos, c'est good. Et maintenant, on va passer par ici. Avant d'aller plus loin, on va regarder au niveau de la map s'il y a du trésor. Non, il n'y a pas de trésor. Là, on va continuer tout droit. Je me souviens plus du tout de cet endroit, par contre. J'en ai plus le souvenir. Ah! Bonjour, monsieur. Oh, t'es pas mort d'un coup, toi. Voilà. Reviens par là. Voilà, très bien. Nice. On check un peu partout. Voilà, velours, bleu velours. Ah, oh, j'ai pas du tout le souvenir de cet endroit, hein. Plus du tout. C'est pas, on va faire avec. Ça craint ça, non? Je crois bien que ça craint ça. Bon, on va avancer. Ah si, je me souviens. Je me souviens de cet endroit-là. Hello, papy. Ah mais tu vas mourir. Ok, je tire sur le sol, c'est cool. Personne derrière moi, non.
On recharge un coup. Bonjour. Ah ouais, t'es pas mort. Et cette saloperie là. Très bien, ok, on va jouer un jeu. Je vais te défoncer la tête, toi. On voit pas, tu tombes, d'accord. Voilà, bah je te tire dessus, toi aussi. L'autre il va revenir, non? L'autre il a du mal à revenir, voilà, il est là. Voilà, ça, ça a explosé. Toi tu veux pas bouger? Ok, bah tu vas mourir. Ok. Toi aussi t'es mort. Voilà, t'es mort aussi. Je crois qu'il n'y a plus personne. Ah si, il y a encore du monde. Je sais pas où ils sont, mais il y a encore du monde. Ça, est-ce qu'on peut l'activer? Ce levier permet de déplacer le chariot. Actionner le levier, oui. On va voir. Super. Ah, il y a la dynamite. Ça va être sûrement pour péter le rocher qui est coupé. Oh, mais qui c'est qui a rabaissé la manivelle? Qui c'est qui joue au con avec moi? Bonjour messieurs. Non. Heureusement tu ne m'as pas touché. Toi je vais peut-être pas avec ta destruction sur la tête. Ok. On va récupérer. Ah t'as pas de drop. Oh t'as pas de drop. On va récupérer la tuile qui traîne. Oh. Oh, toi t'es pas bien toi. Non. Oh putain. Casse-toi. un peu plus ça me pétait à la gueule ça. Toi tu te calmes là avec tes haches là. Oh. Bien. Bien. On a pu s'en sortir vivant mais ça aurait pu être... bien pire. Ah, il y a quelqu'un qui m'envoie des choses. C'est toi? Tiens. Sale vieux, là. Voilà. Ah, il n'y a plus de musique. Ça veut dire que c'est good. Là-bas, on a des balles de fusil à pompe. Ah non, de l'or. Oh, de l'or. 5000. C'est plutôt pas mal, ça. Mais, je crois que t'es mort, toi. T'as pas l'air con à ton truc là. Non mais hé. Voilà, ça fait kabadaboum. Bien ça. On va réactiver ça parce que du coup je sais pas qui c'est qui l'a descendu. Du coup faut réactiver la manette là-bas. Ok. Pour l'instant, pas de bonhomme à l'horizon. Ah bah voilà quelqu'un de sympathique. Bonjour toi! Où est-ce que t'es? T'es où? T'es là? Oh, il y a du monde en plus qui arrive. Ah oui, il y a du monde qui arrive en plus. Ok. On va les calmer tout de suite. Calme, tu te calmes. Voilà, on recharge. Hé hey, papy, tu recules. Tu recules, papy. Tu recules aussi. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. On va mourir. Voilà. Ouais, par contre, des balles de pistolet, je vais plus en avoir beaucoup. Exact, j'en ai plus que 11. Donc du coup, lui, on va se le faire comme ça. Alors là, j'aurais peut-être dû optimiser mon magnum. C'est un peu con, ça. Tant pis. En plus, on me l'a dit dans les commentaires. Ouais, c'est bien. Tiens, déjà une balle dans ta tête. Une balle dans tes couilles. Une autre balle dans ton genou. Une autre balle dans ta tête. Troisième balle dans ta tête. Et t'es mort. Ok. Avant, on va recharger quand même. Ah, oh, j'ai plus de balles. Ok. On va prendre le TMP parce que j'ai quand même pas mal de balles de TMP. Et donc cet homme m'a drop 10 000. Sympa. On va réactiver ça, oui. Comme ça, on va faire descendre le wagon. Et... il faut que je remonte. Ah, prendre. Ce qu'il y a ici. Ah, le velours. Sinon, je l'avais même pas vu. On va remonter. Personne par là.
Ah, faut que j'aille par ici. J'avais pas tout compris. Donc on va prendre, voilà, la dynamite. C'est un plaisir. Et la dynamite, on va la poser ici. Là où il y a le cadavre de cet homme. Utilisé. Casse-toi, Lyon! Waouh! Super, on peut passer. Ah, il y a des caisses ici. On va les casser. Tac. Oh, Magnum, ça fait plaisir, ça. Regardons où est-ce qu'on va aller. On va aller ici. Après, on va aller là. Oh. Faut qu'on essaie d'aller au moins jusque-là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je me souviens plus du tout de la suite, en fait. C'est ça, le problème. Oh, oui, je me souviens, ça, de la suite. Je me souviens de cet endroit qui n'était pas forcément sympa. Donc ça, normalement, c'est pour faire tomber les géants dans la lave. Oui. Oui, messieurs, dames. Oh. Ok. On va recharger toutes nos balles. Je crois que lui s'est chargé à fond. Ouais. Magnum, du coup, bah j'ai récupéré deux balles, on va recharger. Voilà. De souvenir, cet endroit-là, j'ai perdu pas mal de fois. Donc, ça risque d'être assez amusant. Regardez le TMP. Ça craint. Cet endroit craint un peu. Ah, voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas possible. On va récupérer ce qui traîne là. Oh. Je sais plus du tout. Je sais qu'il y a un endroit où on peut grimper. De souvenir, on peut grimper quelque part. Raté. Il y avait personne. C'est un peu con, ça. Aïe! Putain, il est même pas mort, quoi. C'est n'importe quoi, ça aussi. J'aurais dû être mort plus longtemps. Ok, on peut pas grimper par ici. Ah, on peut grimper par là. Monte, mon ami, monte! Je sais plus si je peux me protéger là-haut. Je pense pas. Ah non, faut pas me protéger. Pas vraiment, en tout cas. Ok. Dans ta tête, toi. Tu sens pas grand chose en plus. Tu sens pas grand chose. Ah! Déjà, ça s'est refermé au centre. On va remonter. Mais si je les tue à la main, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que. Allez. C'est qu'ils vont me drop des choses. Mais je peux les faire tomber dans la lave aussi. C'est pas mal. Tac. Oui! Oh! Oh, c'est bon. Ah, bonjour toi. Oh, je te shoot dans ma gueule, quoi. J'ai rien compris à ma vie. Hop. Laisse-toi. Ou l'autre, il est en train de cramer. C'est très bien. Continue de cramer. Alors toi, par contre, je vais t'aveugler 5 minutes. Voilà. N'est-ce pas? Je vais te vider mon chargeur sur toi. Voilà. Je ne sens pas grand chose, je le sais. Ici, nous allons prendre le Magnum. Et nous allons tirer sur cette bestiole là. Ok. Ok, ok, ok. T'es énervé, je le sais. On va te cramer un peu. Histoire de te faire la même chose que tout à l'heure. Oh, cours pas! Espèce de fou, va. Mais tu as cramé, oui. Il crame pas. Ah, d'accord. Ok, il crame pas. Non. On prend le TMP. Ah ah! Oh, il a failli me choper, dis donc. J'aurais bien le tuer à la main, celui-là, quand même. Il a failli me shooter aussi, là. On va remonter. Alright. Non. Ouais, c'est ça, vas-y, amuse-toi. Non, je vais pas le faire tomber dans la lave, rassurez-vous. Je me mets là. Vas-y, amène-toi. Je te tire des balles dessus. Vas-y, commence à suffoquer un peu, là. T'as mal, t'as mal. Normalement, t'as mal. Oh, c'était chaud. Ok. Non. Je crois qu'on peut peut-être se le faire à la main. On peut peut-être se le faire à la main. Allez! Ah! Allez!
Ah, t'es pas mort! Oh putain! Oh, tu fais chier. J'ai utilisé toutes mes balles pour cette connerie. Oh, il court. Oh, tu me lâches, mon ami, tu me lâches. Ok, bon, on va utiliser une petite grenade, peut-être que ça va le calmer. Est-ce que ça le calme un peu? Ouais, sans plus, hein, sans plus, espèce de salaud. Voilà, déjà, je te calme. Et ensuite, je vais te finir avec mon magnum, parce que là, je commence à en avoir marre d'utiliser toutes mes balles. Alors, toi. Voilà! Là, il est mort. Purée. On va recharger ça. Oh! J'aurais pu mourir comme ça! J'aurais pu mourir comme ça! Prendre. Allez, 15 000. C'est toujours ça. Et ici, trousse de secours. C'est cool. C'est cool. Bon, bah, du coup, on est un petit peu dans la merde avec les balles, hein. C'est vrai qu'on a deux trousses de secours, mais bon, merde. Du coup, c'est par là-bas, c'est ça. On va continuer par là-bas. Bon. Cet épisode est clairement plus intéressant que le précédent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que là, on vient de battre deux géants, mine de rien. Deux géants. Et par ici, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a. C'est ça qui est marrant, parce que je me souviens plus du tout, là. Ah si, encore ces insectes, ok. Ah, je vais bien prendre ça. Vas-y, viens. Meurs. Je peux m'emmerder, s'il vous plaît. J'ai plus assez de balles pour vos conneries, là. J'aimerais bien que tu me drops ce que je veux, mais non, mais je veux le bleu, là. Oh, 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 non. Ah. Oh. Tu vas mourir, oui. Oh, j'ai plus de balles. Ah, ça me... Mais... Laisse-moi avancer. Tout ça pour avoir un œil, là. Un œil rouge, j'en veux pas. Allez. Oh, au niveau des balles, ça commence à puer du cul, hein. Eh, mais j'ai que du rouge et du vert, ça fait chier, ça. Bon. Il y a que mon fusil à pompe où j'ai quand même pas mal de balles. Je vais quand même utiliser toutes les balles qui me restent là-dedans. Ça serait pas mal. Là-bas, qu'est-ce qu'on a? Grenade aveuglante. Oh, j'aurais pu m'en servir pour les tuer tous d'un coup, hein. C'est bête aussi. Ici, nous avons balles de fusil à pompe, comme si j'en avais pas assez. Par là-bas, il me semble que par là-bas il y a un truc. Ouais. Par là-bas, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte d'interrupteur, appuyez, oui. Ah ah! Oh! Ok, 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 ok. Ok, ok. On se calme. Calme, il y en a beaucoup. Là, il y en a beaucoup. Mais. Ok, c'est un peu la merde. Okay, tu veux jouer ça? Voilà! Oh putain, et puis l'autre là-haut, il est toujours vivant. Mais putain, mais tu vas me foutre la paix, saloperie! Il y en a beaucoup, hein. Un peu là, mais non, oh putain, je vais pas crever ici. Oh. Ok, tire bien, mon ami, tire bien. Ce serait cool de pas utiliser des munitions à la con comme ça. Ah, oh, toujours un œil vert. Putain, j'aimerais bien l'avoir, mon œil bleu là. C'est bien. Allez, vert aussi.
putain, œil rouge. Oh, j'ai plus de balles. J'ai récupéré des plantes au moins. T'es où? Donne-moi un œil bleu! Putain! Ils veulent pas me le drop, hein! Ah, oh, salaud. Bon, du coup, voici une montée. Il faut amener la lumière ici pour pouvoir passer. Ils reviennent par là, là. J'aime pas trop ça. Bah là, ce qui est chiant, c'est qu'avec le fusil à pompe, bah, c'est super relou de les attaquer. Dégage, toi. Et tu vas mourir, oui. Ok, ici. Balle de pistolet, ça c'est bon, ça. Aïe vert, ça, ça pue. Plante. Ok. Oh, il y a une autre plante. Dis donc, des plantes, ça y va, là. Oui. On va activer ça, oui. Je suppose qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont revenir encore. Donc là, normalement, il va y avoir assez de lumière pour pouvoir éclairer le miroir et donc nous permettre d'actionner la porte qui se trouve en face le miroir. D'actionner, non, de la faire fondre. C'est encore mieux, tiens. Ok. Tiens. Voilà, tu meurs. Il va y avoir d'autres saloperies. Utiliser une balle pour rien, c'est pas grave. Elle est rouge encore, ça fait chier. Meurs, sale bâtard. Bon, j'utilise pas mal de balles de fusil à pompe, je suis désolé pour les personnes qui n'apprécient guère ce choix. Putain, pas d'œil bleu. Putain, pas d'œil bleu, quoi. Les enculés. Ok, il en reste un peu par là. Je vais les laisser venir. Allez, drop s'il te plaît un œil bleu. Oh. Oh. C'est quand même incroyable parce que là on en a pas mal en plus, hein, maintenant. Vert et rouge. Putain, le bleu il veut pas venir. Il veut pas venir le bleu. Bon, du coup, je vais reprendre ça parce que j'ai récupéré des balles, mine de rien. On va redescendre, parce que même si on a ouvert la porte ici, il y a une chose qu'on n'a pas regardée en bas. Tu me donnes un œil bleu, s'il te plaît? Putain, la pisse. C'est toujours ça, des trucs. Tire bien. Oh, il est tombé. Quel con. Oh, œil vert. Aïe, aïe, aïe. Ah, tiens, une plante rouge. Je l'avais même pas vu, celle-là. Ouais. Alors on va pas passer par ici. Je disais on allait redescendre. Oh, je suis un peu près du bord. On allait redescendre parce qu'il y a quelque chose de peut-être intéressant à voir. Par là-bas, ça mène à où? Ah, d'accord, ça fait faire le tour. Okay. Parce que je croyais que c'était, en fin de compte, une chose qu'il fallait activer. J'aurais peut-être pu y aller direct. C'est ça, là-bas. Parce que ça, je crois, de souvenir, que ça nous fait monter. Je sais plus. Un message dit, les deux lumières éclaireront un nouveau chemin. D'accord, c'était juste pour ça. Bah, go fuck yourself. Super. Tout ça pour ça. Merci bien. C'est rechargé, ça. Bon, eh bah, pas d'œil bleu. On est bien dégoûté parce que là, c'était la dernière chance d'avoir des yeux bleus, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je ne pense pas. C'est possible que je me trompe. Alors, un interrupteur, appuyez, oui. Merci. Évidemment, il faut faire attention ici. Voilà, parce que c'est bourré de pièges. Ok. Ok. Avance. Oh, je l'avais même pas vu, dis donc. Oh, tu rigoles. T'es sérieux? Non, ça va, je recommence que de là. Ouh, en plus on arrive bientôt à destination, donc c'est cool. C'est n'importe quoi, ça. Allez, on peut le faire. Ok, laisse-moi passer. Ok. Alors on regarde bien. What?
toi, il y a bien un truc pour les bloquer. Ah bah oui, il y a ça. N'importe quoi. Il disait que c'était pas possible de passer. Très bien. Ok, cool. On arrive par où, par ici? Ah bah c'était ça en fin de compte. Ce qui nous est monté. Oui, un signe royal. Donc ça, ça se mettait aussi sur la couronne. Sauf que la couronne, je l'ai vendue comme un con. Et la fin du chapitre. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là, c'est très bien. On est à une demi-heure pile poil. On va sauvegarder la partie, c'est parfait. On verra au prochain épisode qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fera. Du coup, bah j'espère que cet épisode vous aura plu par rapport au précédent. Encore une fois, même si je suis monster et que je suis censé être un méchant et puis dire beaucoup de gros mots, j'ai quand même un minimum de respect pour vous parce que vous me regardez, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses que je puisse vous donner. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous peut-être au prochain épisode, on sait pas. On sait jamais de toute façon ce que l'avenir nous réserve. Portez-vous mal et à jamais. Au revoir.